maintenant c'est pour Aouladzian, la tête au premier poteau, ça flotte un peu dans la surface de réparation. Dégagé une première fois par Yvan Masson, il y a une tentative boulonnaise un peu trop écrasée et ça finit dans les gants de Maraval. La projection rapide à présent des joueurs de Dunkerque avec Guillaume Bosca, toujours le retour sur son pied gauche, la frappe de Bosca, elle est cadrée et la belle envolée signée Simon Lugier. C'est la première frappe dans cette rencontre, dans ce derby. Pour Dimitri Boudot, le renversement de jeu vers Masson. Bosca pour Boudot, il est dans une bonne position, Boudot. Et il marque un but de génie, Dimitri Boudot, il marche sur l'eau. Actuellement, le milieu de terrain de cette équipe de Dunkerque, c'est déjà son 7e but de la saison à 37 ans. Regardez sur ce changement d'aile, c'est Yvan Masson qui essaie de s'appuyer, qui propose quelque chose sur le côté. Guillaume Bosca qui se retourne, on a le temps pour Dimitri Boudot, il n'est pas attaqué, de voir et d'ajuster, tout est parfait, la réalisation et la finalité. Elle est magnifique cette frappe, Simon Lugier un tout petit peu avancé face à Yvan Masson, superbe pour retrouver Duterte, le bon ballon, le bon centre. Et pénalty. Et pénalty sifflé pour cette faute de Loret. Il est fou furieux Alexandre Loret, mais pourtant il conteste, mais sur ce premier ralenti, il faut avoir les nerfs très solides. Garita s'est arrêté par Maravel. Il y a beaucoup de monde dans cette surface de réparation et devant le but, mais les Dunkerquois s'en sortent miraculeusement. Maravel et Monsieur Ben Chaban qui regarde sa montre. Dunkerque rentre à la pause après un but d'avance. On les a vus plus entreprenants, même si ça a été très chaud dans cette fin de première manche. Rémi Duterte pour frapper ce coup de pied arrêté. C'est fort au premier poteau. Il y a beaucoup de monde. Il y a Garita. Il y a surtout Maraval, une nouvelle fois, qui reste au sol. Il est héroïque, le gardien dunkerquois, dans cette partie. Alors, vous voyez, ça gêne hein, tout le monde. Il y a de la densité. Il réalise un sauvetage sur Paul Arnold Garita, même s'il lui tire dessus. Et on comprend sa douleur, hein, Maraval. Et Guillaume Bosca. Et il aurait qui va se replacer tranquillement. Pendant ce temps, l'action continue. Ah, là, ça, c'est bien joué. Il est passé, la frappe de Gauthény une fois. Il va pouvoir de nouveau tenter sa chance, Gauthény, mais il n'y avait pas assez d'angle. Ah, c'est ce qu'on voulait voir. Hein. L'arrêt du gardien. Ouais, c'est très bien joué de la part de Simon Lugier. Sur le retour, pas beaucoup d'angle hein, pour redresser ce ballon. Bien joué Cadio. Et se relève. Enfin, Cadio, super. Oui. La passe pour trouver Saïdi Daza. La première tentative, et bien c'est la bonne. Saïdi Daza qui vient de rentrer en jeu et qui permet à Boulogne de se relancer complètement dans ce derby. Et c'est un choix payant, hein, un double voilà, choix il payant. Le sert, il le sert sur une conduite de balle où le ballon lui reste très proche du pied. Il est capable d'enchaîner derrière par une frappe qui va surprendre le gardien, une frappe croisée. Maraval, hein, pourtant jusqu'ici impérial, continue à attaquer hein, les Boulonnais. Ils ont raison, ils sentent qu'il y a peut-être un peu plus de fraîcheur de leur côté. Le bon centre pour Garita, ça file Ferry Daza. Il a complètement manqué sa reprise. Ça circule dans la surface de réparation. Que s'est-il passé? Alors Garita, là, il n'y a pas de main. Pas de hors-jeu non plus. Et on réclame une main de Kouakba sur ce ballon de Idaza. Et pop, 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 pop. Et attention à Garita qui a été lancé en profondeur et la sortie de Maraval qui va être sanctionné. C'est une fin de match complètement folle. Pas de pénalty, mais un carton rouge direct pour le gardien de Dunkerque. Un super coup franc, la décision est prise. Là, c'est un long ballon. Alors là, ce qui mérite aussi d'être revu au ralenti encore, c'est la position de Garita au départ du ballon. Et là, dire à coup sûr s'il y a pénalty ou coup franc. Loret, le petit pont. Ouais, il est un peu gourmand, Loret, il perd ce ballon. Le ballon pour Idaza à présent dans la surface de réparation. Bégala talonnade pour Chamal. Et la parade de Maraval à Idaza. Hors-jeu certainement. Un suivi. Et effectivement, position de hors-jeu cette fois, elle est signalée. C'était superbe. Notez la belle talonnade de Bégala. Là, pas de hors-jeu. Et là, Idaza. Et là, c'est bien joué. Ah, c'est très bien joué hein, de la part de Guillaume Béga pour servir Steve Chamal, qui lui doit terminer l'action puisqu'il a le temps hein, d'ajuster. Il est sur son bon pied. C'est un bon ballon. C'est terminé. Et
Dunkerque manque l'opportunité de prendre provisoirement la première place ce soir dans ce championnat de national. Le bon coup, il est pour Boulogne qui, après deux victoires très intéressantes, confirme avec une belle réaction sur la pelouse de Dunkerque ce soir.